et en créole. Voilà. Donc, nous laissons un terrain un peu grand, un terrain à la savane. Oui, ben, pour bonjour, mais déjà, bon, tout le monde m'a pas vu, ben, bonjour, vous êtes tout, hein. On est content de voir ça. Et Dominique l'a dit que c'est la trois à mettre ensemble, c'est serré, mais il va causer tout à l'heure parce que je crois qu'il va vous présenter. Le bouc est un petit peu le papa de ce concours-là, si on peut dire comme ça. C'est Daniel. Il va causer tout à l'heure, Daniel Honoré. Hein. C'est lui qui a eu l'idée. Un peu d'affaires comme ça. Le Casgaba, il accueille à nous pour la première fois, on est content, mais merci. Florence, ne me dis pas Daniel, hein. Vous ne me dites pas Daniel, c'est Florence qui accueille à nous, c'est elle, le président. Hein. Nous l'a fait des sondages, même si ce n'est pas nous directement l'a fait, pour le grand public. Après, nous l'a fait au niveau des militants, parce que nos derniers sondages, nous avons remarqué que c'est plus les militants la répondre. Hein. Il faut que côté-là, hein. Nous, jeunes, jeunes élèves, un peu plus d'expérience, tout ça, là. Ben, un jour, surtout que l'intéressant, c'est parce que nous avons commencé à faire. L'a toujours dit. Il ne faut pas cause créole, parce que si vous cause créole, vous ne gagnez pas cause français. Elle a dit ça pour toute notre bonne petite marmaille. Pauvre petite marmaille. Eh bien, moi, je ça montre aux autres que, malgré que je cause créole le plus souvent, il arrive aussi cause français. Ah ouais. Eh ouais. Ouais. Bon. Non, mais ça, rapidement, essaye en tout cas. Rapidement, lire à Zot un petit mot que m'a écrit, pour, surtout pour dire à Zot, il faut que nous causons créole, mais il faut surtout, de plus en plus, que nous écrions. Il y a des choses à dire au nom de la Ligue de l'Enseignement, mais avant toute chose, c'est la première fois qu'il vient ici, et il faudrait vraiment dire un petit mot sur le sens de ce concours. Pour moi, vraiment, correspond à ce lieu, dans la mesure où on a entendu qu'ici, la langue créole, la culture créole, n'est pas réduite simplement à quelque chose de folklorique, de récréatif, mais est bien utilisée comme un vecteur d'épanouissement. Bonjour à toutes. Je m'a pas préparé de discours, mais je vais juste dire deux petits mots pour remercier déjà donc Daniel Honoré avec toute ce mandalon. À un moment donné, l'a assise un coup, l'a dit, ben, si tu veux être acteur pour sauvegarder et transmettre notre langue créole. Langue créole, lorsque la lance le concours, elle a été chargée de mission, CCE, et elle a dit, il faut trouver un titre. Donc nous l'avons fait jeu de mots, comme ça, il appelle ça brainstorming. Donc il a fait plusieurs jeux de mots, et elle arrive là-dessus, elle m'a proposé langue L-A-N. Oui, le président a dit Didi Coco, c'est ça. Hein. Donc, L-A-N, donc en souvenir la langue, en penser la langue, créole, après la langue, c'est l'encre, l'ancrage, l'encre, la mer, bah, tout l'arrivée, de mon arrive avec, l'encre pour écrit. Donc, tout ça, l'a fait que le bon monde est là, Daniel, la Ligue, CCE, l'avait d'autres conseillers, l'a retenu le mot. Moi, t'es première fois, moi, t'es dans le jury. Et un bon peu de monde, t'es première fois, t'es dans le jury aussi. Être dans le jury, il veut dire, du jour au lendemain, il arrive, il donne un centaine de feuilles. Mais après, si nous cause pour. Si nous revient sur les catégories, Fonke, elle avait un paquet. Et dans le fond de cœur, elle avait un autre critère, elle avait soustrait la langue. Mais dans le fond de cœur, ce qu'elle a aussi, c'est le vérité. Et si les affaires qu'on dit. Mais Gabriel, c'est les enfants de la savonne. Quand nous arrivons là, en 2004, il y a un squatté qui était là, nous. Elle était déjà gardien, bel gardien cabri, tout ça là. Et c'est un monde qui vit vraiment en marron, comme il dit dans la chanson. Gardien son bœuf, après ça boit son découp. Mais t'es un danseur, comme il dit aussi dans la chanson, on essaye de raconter comment il est Gabriel. Réveil a sonné 4h du matin comme d'habitude. Joie à la lever. La brosse son dent, la chauffe à café. En même temps, il donne un coup de pied dehors, à travers la fenêtre, le ciel est noir sans les étoiles. On nous reconnaît comme on fait les ponts. Mais si par un coup, même si par un coup, notre goût amer, il traverse mon pensée. Prends soin de mon petit madame, il dort encore, regarde mon famille, mon bon ballon, ils travaillent ensemble, puis que la pluie ne tombe pas tout de suite,
Ils ont dit lundi, samedi, dimanche, le vent a soufflé, la cour a vissé les salles. Si la pluie tombe, c'est donc plus difficile de travailler. Et c'est là qu'on a fait. Où trouve-t-il fait. Voilà. C'est donc monsieur Jean-Bernard. Alors il dit Mangue ou Mangue ? Mangue. Jean-Bernard Mangue. Que l'année dernière, une fois que ça finit d'aller son cadeau, m'a dit qu'il faisait un petit coup derrière. Comme ça, il va dire à nous. Pour ça, la Amanali a écrit ce texte. Et difficile à dire. C'est en fait mieux raconte mon vie. Mieux raconte mon vie. Et dans un temps pas trop loin, quand Chaudron était tombe encore pareil un grand forêt, maman il avait la chance habite là, t'es vide d'un grand verre. Bah où on peut laisser trouver son bout de corps. Mais autres les gazés que ça. Comme quelqu'un a dit à Thiaba, hein, bonne écrivain, pas bonne grand causeur. Il m'y confirme. Ouais, ou bien à descendre en bas et puis à remonter petit bout, marche par marche. C'est Linuette, prix L'Ocréole 2015. Ben c'est là la bataille le plus parce que là il y avait vraiment une grande différence dans le jury et il y avait le grand bataille comme on était dit à l'heure là, c'est quoi fini de dire hein, sur le fond de cœur en lui-même, le causement, le vibration qu'on avait dedans et puis d'autres fonds de cœur que t'es plus centré sur la langue. On est loin mon Dieu, à ou même qu'a rempli mon cœur bord en bord, images de visage y colorent mon organe les Aurélie. Yeux. Pas de Sherpa, c'est une jeune, Franckine Adelo. Henri-Claude, les leurs pour envoyer assez. Et sans banjo, quoi. Au Téville, te l'attire mon attention. Grain bébé chargé en quantité, la donne à toi un grain de beauté si ton figure. Ton manière simple et que ton vie dire, la gain cap encore plus que c'est le lauréat de cette catégorie donc qu'on vient vous présenter qui s'appelle la catégorie coup de pouce, enfin vous expliquez à vous pouvez le dire. Mais dites-nous ce que la amène à vous à participer, à impliquer à vous là-dedans, et c'est la jolie demoiselle que est là qui remet à vous votre cadeau. Voilà. Bon, je la partage tout. Je vais donner à d'autres l'occasion, puisqu'il y a une parution tous les ans, de découvrir le reste. Alors je voudrais juste montrer à d'autres ça, que l'est un cadeau. Que l'a été ajouté pour tous les gagnants par l'équipe de Kazkaba. Ah, ben, nous l'a découvert ça ce matin en arrivant, donc par Florence. Donc. Tout a commencé par un stage racontées histoires avec Monsieur Honoré. Et mon chemin la croise celui de Patrick Kazanov et de quelqu'un qui m'appelle Voulouna. Voilà. Zordi Park. Soleil lève, grand matin 6h. De Mouni ça va la messe. À nous. Ça m'a été mangé pour tout notre monde gramoun finalé. Naturellement, nous fait ça la case des fins pépé, mémé. La case la vie nous toute grandit. D'abord, Patrick Kazanov, qui est un lauréat de l'Encréole, et qui un an après, il montre à nous que une histoire et un prix peut transformer en un livre, puisque lui vient de sortir donc son livre, dans lequel il y en a notamment le texte que la rapidement. En fait, c'est un livre que Ludi a voulu éditer cette année. Et ce que nous voulons, en fait, c'est demander aux bons écrivains-là, essayer d'écrire deux, trois Gaïa textes qui fait appel à ce que nous appelons mauvaises âmes, bonnes avant, bonnes. En fait, tout ça que ça fait, il fait peur, hein, non? Et le livre, il vient de sortir, je ne m'y rappelle plus le titre. C'est Contes et croyances. Voilà, Contes et croyances. Donc, les en vente déjà dans les librairies, si jamais vous êtes intéressé. Voilà, donc, qui était l'affiche du concours 2015 L'Encréole.
c'est une affiche un bon marmaille. Un lycée l'a fait. C'est, l'année dernière, c'était les secondes marmaille fait créole, un second LCR, un lycée Stella. Donc, elle a travaillé avec M. Fontano, qui était venu au lycée, explique à nous un peu comment il fait une affiche, que ça y attend d'une affiche. La fume le sang s'embouillant la son.